Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Main Opposée, votre chaîne 100% gardien. Aujourd'hui, nous allons débriefer des grands matchs des championnats européens avec la performance des gardiens et surtout, nous allons revenir sur le trophée Lev Yashin glané par Alisson. Pour nous accompagner durant une heure, nous avons tout d'abord notre numéro 1. Il a érigé une statue à Pascal Duprat, c'est Renaud Eudier. Salut Nico, salut l'équipe, ouais, vive Caen. Caen capitale, c'est ça. Avec son numéro 30, il a inventé une nouvelle expression, carton rouge pour l'OL, ce n'est plus pénalty pour l'OL, c'est Robin Popel. Ouais, salut à tous, merci au Nîmois surtout. Hein. Merci au Nîmois, au bout de 5 minutes tu sais que t'as gagné le match. Alors, ensuite, avec son numéro 16, il pense que Ludovic Blas est devenu Léo Messi, c'est Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. On va pas abuser quand même, mais... Ah, le but ressemble à Léo Messi. Et enfin, avec son numéro 40, il vient du pays où on ne connaît pas encore Ludovic Blas, mais il ne serait tardé, c'est Maël Russo. Salut. Les crampons sont vissés, les gants ajustés, on peut donc lancer la première mi-temps. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, main opposée, Richard. Regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Oh, quelle parade. Sur ce coup franc, l'ange s'est envolé. On voulait d'abord lancer le débat sur OM Bordeaux. En effet, le match d'hier a été intense et il y a beaucoup à redire sur la performance des gardiens. Renaud, tu as regardé le match. Qu'est-ce que tu as noté sur la performance de Costil? Sur la performance de Costil, effectivement, ce qui est ressorti, c'est l'erreur de relance. Je pense que ça, on l'a tous vu. Et c'est vrai que c'était pas beau à voir, quoi. Enfin, je veux dire, c'était une relance plein axe. Et après, il y a vraiment un gros pressing, ça se voit. Et au lieu de dégager, il remet sur le côté. Derrière, le défenseur sait pas trop quoi faire et ils prennent le but. Après, en dehors de ça, je trouve qu'il avait fait en première mi-temps, il avait fait un bon arrêt. Il avait super bien coupé un centre en retrait de Sakai. Il avait super bien défendu la zone, en fait. Et il avait vraiment bien poussé pour aller le chercher. Et ça, c'est vrai que c'était pas mal. Mais voilà. Et c'est vrai que du coup, ça a bien marqué ce qui s'est passé dans le match. C'est-à-dire que Bordeaux a super bien maîtrisé la première mi-temps. Et ensuite, c'est Marseille qui a complètement repris le dessus. Et justement, on voit bien que là, Costil, il était comme le reste de son équipe, quoi. C'est-à-dire très bon en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième. Et ça s'est vu. Ça s'est vu, malheureusement, pour lui. Vous avez la même analyse, les autres ? Oui, tout à fait. Après, ce qu'on peut reprocher aussi à Costil, c'est le fait que ses défenseurs ne l'aient pas trop aidé. Par exemple, avant le corner. Et le but d'Amavi, la passe de Pablo, on peut pas dire que ce soit une belle passe. Après, ouais, c'est vrai qu'en premier mi-temps, j'ai trouvé rassurant. Puis après, en deuxième mi-temps, il a subi, tout comme son équipe. On l'a pas vu vraiment assez haut sur le terrain en deuxième période. Tu l'avais plus souvent vu près de sa ligne de but. Puis après, le fait de vouloir relancer assez court, etc., c'est la philosophie de Souza. Et il a même dit, à l'issue du match, qu'aussi, il a dit... Ok, on relance, on fait des erreurs, mais au moins on a une philosophie de jeu, au moins on propose quelque chose. Il y a une idée derrière ça. Après, bon, il y a du déchet technique, ça arrive, quoi. Alors, on pourra mettre ça d'ailleurs en parallèle avec Neuer pour tout à l'heure. Moi, ce que j'ai quand même noté, j'ai noté deux choses sur Costil. La première, il est revenu en seconde mi-temps totalement déconcentré. On l'a vu avec un dégagement loupé, on a l'impression, et on le voyait sur les images, un peu comme impuissant vis-à-vis de sa performance. Parce que notamment, là où il fait son erreur de relance et ensuite ça va sur le corner, excusez-moi, mais sur le corner, la balle, tu peux au moins essayer de sortir, quoi. Ouais, il est passif sur l'action. Ouais. Tu vois, il regarde le ballon. Quand tu regardes le ralenti, il regarde le ballon, si tu veux. Et c'est tout ce qu'il fait, tu vois. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun dépassement. En fait, ce que j'ai vu sur le corner, surtout, c'est qu'il fait un pas en avant, en fait, sur sa gauche. Et ça, c'est l'erreur fatale, en fait, parce que ça le met en retard sur tout le reste de l'action. Et tu vois, en plus, j'ai l'impression, tu sais, il tourne sa tête à gauche. Je ne sais pas s'il dit quelque chose à un défenseur. Et du coup, il n'est pas du tout dans l'action, en fait.
il est et c'est limite et ça revient peut-être à de la déconcentration en fait. Il est pas du tout dans le rythme de l'action et il regarde même pas en fait ce qui se passe. Enfin, il suit pas le ballon à un moment, j'ai l'impression. Bah, le pas vers l'avant, on dirait qu'il le fait en réflexe, comme s'il le faisait sur tous les corners. Et du coup, après, c'est ce pas qui lui manque pour pouvoir être face au ballon au moment où Amaville reprend. Parce ouais, bah là, c'est ça, c'est exactement ça. Avant, il retourne en arrière et il perd du temps et il se retrouve. Alors que Amaville n'est pas non plus dans un angle. Enfin, il n'est pas face au but où il peut la mettre à droite ou à gauche. Amaville ne peut pas la mettre trop à un autre endroit que là où il l'a mise. Donc là, on a déjà le mauvais réflexe du pas en avant. On a surtout un peu comme un tennisman qui a loupé un coup direct facile. Je pense qu'il y a, tout à fait la déconcentration d'avant. Mais néanmoins, et tu l'as évoqué, Thomas, pour moi, si Bordeaux veut jouer un jeu avec beaucoup de passes à l'arrière et faire des circuits, un peu comme par exemple le fait le Bayern ou le Barça. Moi, j'ai l'impression que Benoît Costil n'est pas le bon gardien. Bon, si, en Ligue 1, ça va, franchement, c'est l'un des meilleurs gardiens avec le jeu au pied. Après, c'est défenseur, forcément. Pablo, peut-être. Après, est-ce que Pablo et consort sont les bons défenseurs? Cossini, je pense. Pablo, je ne suis pas sûr. Oui. Non plus. Après, c'est question aussi le pressing. Ils ont eu du mal à se dégager du pressing marseillais. Parce qu'il y a sur le but de Sanson, Otavio, quand il dégage, même s'il est pressé, il n'est pas obligé de la mettre dans l'axe à la balle. Oui. Bah, alors, c'est le déplacement d'Otavio, même en district, je crois qu'on tape la balle plus fort quand on dégage. Je suis peut-être un peu dur sur le jeu au pied, mais néanmoins, moi, c'est sur sa capacité à se déplacer. On l'a vu, notamment sur la passe en retrait. La passe en retrait, je veux dire, il se déplace pas, quoi. Même si elle est mauvaise, en soi, il vient pas demander le ballon. Non, je pense qu'il pense que Pablo va la dégager directement, peut-être, je sais pas. Mais ouais, il est en retard même, parce que quand la passe de Pablo est effectuée, tu as un temps de retard, un temps de réaction qui est assez tardif. Donc peut-être oui. C'est ça qui cause après que son dégagement va directement en corner, je sais pas, mais... C'est vrai que son dépassement est peut-être tardif sur l'action. Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a la qualité du pied et il y a aussi la qualité du déplacement. Et moi, je l'ai trouvé très statique sur ses déplacements. Et peut-être qu'on peut finir sur Costil avec ce débat. Qui doit prendre la décision de dégager ou pas à un moment donné? Par exemple, tu viens de prendre un but contre l'OM, tu es à 1-1 à l'extérieur, tu fais un dégagement tu relances court parce que ton coach te l'a demandé, ton joueur, il fait n'importe quoi, il perd le ballon, là, ça, il n'y a pas eu de conséquence, et 2 minutes plus tard, tu refais le même dégagement en sachant que le pressing marseillais est haut. Est-ce que ce n'était pas à Costil, qui est, si je ne m'abuse, le capitaine de l'équipe, ou alors à minima le vice-capitaine, de prendre la décision, bon les gars, on est en galère, c'est la 60e, on va allonger un petit peu, histoire de donner de l'air. Normalement, ça fait partie des qualités du gardien, en fait, de ce qu'on lui demande, c'est de sentir le jeu aussi. C'est le seul qui est un peu face au jeu, c'est le seul qui n'est pas trop sous pression, qui a encore un peu de lucidité. Donc, s'il voit que son équipe est en difficulté, c'est à lui, à un moment, de se dire, on est trop pressé, c'est trop dur. On n'arrive pas à s'en sortir, il faut qu'on sorte, il faut que le bloc remonte. Bah, pour moi, ça fait partie de son... Voilà. Après, ok, tu as une philosophie de jeu, mais effectivement, si tu vois que les mecs n'y arrivent plus, il faut que t'aides. Il faut que t'aides. C'est un peu comme sortir sur un ballon aérien. Tu sens que ton équipe en a besoin. Voilà. Donc là, c'est ton point de vue. Renaud, c'est Thomas qui voulait réagir? Ou Maël? Non, c'est moi, ouais. Non, mais il y a l'entraîneur aussi, tout simplement, qui est sur le bord du terrain, qui peut dire à un moment, bon, là, stop les petites passes, on va peut-être un peu plus subir, avoir moins le ballon, mais on va se donner de l'air, parce qu'il a un rôle aussi pendant le match. Après, c'est vrai que Costil, et il est capitaine. D'ailleurs, hier, au coup d'envoi, les deux gardiens étaient capitaines. C'est vrai. Et oui, c'est aussi à lui, à un moment, de se dire, enfin, on l'a tous vécu, même si on essaye même si la première idée c'est peut-être de relancer court, si on voit que c'est trop pressé ou que sur les relances courtes qu'on a fait, on fait que de se mettre en danger plus que
se mettre en, en bonne situation, bah, une passe ne serait-ce que mi-longue peut déjà permettre de sauter une première ligne. Oui. Oui, oui. Que là, sur le deuxième but, enfin, sur le deuxième but qu'il encaisse, il fait, il fait une passe en retrait quasiment à son défenseur, en fait. Ouais, c'est une passe latérale, ouais. Mais après, j'ai l'impression, en parlant de la philosophie de jeu de Bordeaux, c'est que Souza, c'est lui qui veut que ce soit comme ça. Parce que quand t'écoutes Costi à la fin du match, lui, pour lui, c'est normal de faire ses relances comme ça, tu vois. Il s'est même pas posé la question, si tu veux, de dégager le ballon. Il voulait absolument relancer propre pour correspondre à l'idée de jeu développée par Paulo Souza. Donc, le reste du championnat et leur classement jusque-là leur donne même plutôt raison. Et Costil, on en parlait il y a une ou deux émissions, il fait quand même un bon début de saison. Oui, oui, globalement, oui, il fait un bon début de saison. Ouais. Il a mal commencé, mais à l'image de Bordeaux, il a fait un super mois de novembre. Ouais, après Marseille aussi, il a fait un très gros pressing. Je ne suis pas sûr que toutes les équipes de Ligue 1 soient capables de faire un pressing comme cela aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut louer aussi le pressing marseillais hein, sur ce match-là. En tout cas, sur Costil, le débat est ouvert et ça sera intéressant de voir comment Bordeaux va gérer cette première relance dans les matchs à venir et surtout, finalement, contre les grosses équipes du championnat qui exercent un pressing. Et donc, en plus de ce match OM-Bordeaux, il y avait un choc en Allemagne. Le Borussia Mönchengladbach recevait le Bayern. Et le Borussia Mönchengladbach, c'est le leader de la Bundesliga face au Bayern, qui était quatrième avant le coup d'envoi et qui est maintenant septième. Donc, c'était l'occasion de voir deux gardiens internationaux. Évidemment, Manuel Neuer côté Bayern, mais également Yann Sommer. Et je voulais revenir tout d'abord sur Yann Sommer, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, du gardien international suisse. Pour moi qui ai analysé le match, j'ai vu qu'il a à la fois soufflé le chaud et le froid sur ce match. Thomas, comment tu analyses le but qu'il prend où il n'est pas finalement exempt de tout reproche? Bah, alors, sur le but qu'il encaisse, j'ai l'impression, si tu veux, qu'il anticipe un peu sur sa droite. Et si tu veux, la reprise de Perisic, elle est quand même, elle flotte. La balle, elle flotte. Et son timing de prise de décision et d'impulsion pour aller chercher le ballon, il est mauvais. Il est peut-être un peu trop tôt. Peut-être trop anticipé, si tu veux, la frappe. Et il met la mauvaise main. Puisque dans cette situation, il aurait peut-être fallu mettre plutôt la main opposée, ça aurait été plus efficace. Et bah, sur l'action, le timing n'est pas bon. Il met la main droite et bon, la main n'est pas du tout ferme. Alors, la main droite, c'est sa main opposée quand même sur l'action. Ouais, c'est sa main opposée. Vu que la balle, en fait ce qui le surprend beaucoup, déjà, faut louer Perisic sur un pas, il se retourne. Et généralement, sur ce genre de frappe, tu te dis qu'elle va aller droit. Mais en fait, lui, il arrive carrément à la croiser. Et donc, je pense que Sommer, il est surpris. Et comme tu dis, il saute en lançant sa main, mais sans trop savoir ce qu'il va faire, quoi. Oui. Puis il perd de la puissance, tu sais, au niveau du bras. Il perd de la puissance, ouais, tu, pour repousser le ballon. Donc forcément, bah, la main pas assez ferme, bah, le ballon qui rentre, malheureusement, pour lui. Et après, globalement, sur le match, je trouve qu'il a alterné entre le bon, le moyen, comme tu disais. Et j'ai vu des matchs de Sommer cette saison, ou même avec la Suisse, c'est pas forcément son meilleur match qu'il a fait cette saison. Mais en tout cas, à chaque fois que je vois ce gardien, moi, ce qui me fascine chez lui, c'est ses appuis. Franchement, les appuis, tu sais, il est très bas quand même quand il va chercher les ballons. Il fait un 83. C'est sa marque de fabrique, ça, le Sommer, les jambes très écartées, ouais, et les appuis très bas. Bah, ça me fascine à chaque fois, parce que souvent, tu sais, les ballons au sol, il va les chercher, et je pense que sa qualité d'appui lui permet de faire des arrêts que peut-être d'autres gardiens n'arriveraient pas à le faire forcément avec les appuis qu'il a. Ah bah justement, c'est pas vraiment dû à ses appuis, mais ça a aidé un petit peu, c'est l'arrêt qu'il fait là où le ballon est à 1 cm de passer la ligne, c'est fou, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il l'a stoppé d'un doigt. Pas de deux doigts, hein, d'un seul doigt. Je me rappelle, il l'a chopé du majeur et c'est juste ce qu'il lui a fallu pour la récupérer. Ouais, sa capacité de réaction sur en fait, finalement, l'erreur qu'il fait, parce qu'il lance ses genoux un peu n'importe comment et en fait, il s'en rend compte qu'elle passe en dessous et sa capacité de réaction, elle est folle, quoi.
C'est complètement ouf. Après, heureusement, par contre, qu'il y a la goal line, parce que je pense que ça, c'est un but qui aurait été validé. Sans... Ouais. Ouais, je pense ouais, que c'est le... moi, pour moi, devant ma télé, moi, je la vois but. Je vois l'argent but. Mais alors, il y a eu ça. Et une minute avant, on parle toujours des arrêts spectaculaires. Donc, mais nous, un peu les spécialistes gardiens, on sait ce que c'est un arrêt difficile. Et je crois que c'est peut-être l'arrêt le plus difficile du week-end. J'ai pas vu tous les matchs, hein, mais... sur la frappe de Müller où il est à l'entrée de la surface, il est masqué et il va la chercher au coin du poteau. Très costaud. Je l'ai vu, c'est assez impressionnant. Ouais. On la voit dans les résumés, mais on passe un petit peu à côté. Il n'y a pas de ralenti, c'est dommage parce que c'est hyper dur ce qu'il fait. C'est ouais. super dur. Je veux dire, Müller en plus, il met une belle frappe enroulée qui part bien. Et lui, il va vraiment bien pousser avec la jambe intérieure pour se détendre au maximum. Et ça, c'est vrai que le sommaire, comme on l'a dit, avec ses appuis, ça lui sert énormément là-dessus. Et typiquement, bah, là, il l'a montré sur cet arrêt. Quoi. Sommaire, il est impressionnant sur toutes ses poussées, hein. Que ce soit plutôt basse, plutôt haute. Et il est d'ailleurs, on dirait, un petit... vraiment, c'est la définition même du gardien un peu chat qui saute partout. Dès qu'il y a une balle, des fois un peu trop... du fait qu'il se retrouve un peu en l'air ou qu'il ne fait pas assez de pas de déplacement. Mais ça peut être très efficace. Et puis, sur l'erreur du coup, qui n'amène pas à un but où il balance ses genoux en avant, c'est un peu ça aussi. Du coup, c'est dès qu'il va faire un arrêt, il va sauter. Donc, des fois, c'est bien et ça lui permet d'aller super loin au ras des poteaux. Et des fois, bah, il se retrouve trop longtemps en l'air et il manque de puissance avec ses mains. Ou alors, bah, il se retrouve à faire des arrêts... à faire des erreurs comme il a failli, enfin comme il a fait, mais où il s'est très très bien rattrapé par contre. Et le dernier point sur Sommer, c'est également sa capacité. Alors là, on peut pas trop le voir lors des résumés, il faut vraiment regarder le match. C'est son jeu au pied, pied droit, pied gauche. Dire ça, ça c'est exceptionnel pour un gardien, c'est-à-dire que en fait, tu peux avoir tous les angles de passe possibles parce que en fait, bah, tu contrôles pied droit, t'enchaînes pied gauche. Que ça soit long ou court, il a les deux, quoi. Ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir, mais c'est vraiment le futur, hein, pour les gardiens, en vrai. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avoir qu'un seul pied, c'est pas possible. Hein. Parce qu'avec aujourd'hui, les balles, quand tu veux jouer court, quand tu veux relancer vite, vu comment le pressing est de plus en plus intense, parfois de certaines équipes, faut pouvoir faire des deux pieds. Hein. Oui. Parce que sinon, t'es pris. Parce que puis une fois que les adversaires ils ont l'info, ça devient très compliqué à gérer. Hein. Parce qu'en plus, ça sous-entend que tes défenseurs doivent tout le temps te la mettre sur le bon pied, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas sur certaines situations. Quand tu as les deux pieds, tu peux te sortir de toutes les situations. Tu n'es plus jamais bloqué, normalement. Ah ouais, c'est ce qu'on a vu. Je suis d'accord avec toi, Renaud. C'est ce qu'on a vu contre le Bayern. Je voudrais aussi qu'on ait juste une petite réaction sur Manuel Neuer. Donc qui a pris deux buts. Alors on peut je pense revenir sur peut-être le premier où il aurait pu être peut-être un mètre plus loin que ce qu'il était sur le corner, vu que c'était un corner sortant. Ouais, après la tête elle est bien coupée de Benzemani, je suis pas sûr que même avec le pas, il arrive vite, hein. Je sais pas si ça aurait suffi, mais ouais, après, Neuer, globalement, sur le match, il n'y a pas eu vraiment grand-chose à faire, hein, en fait. Non, il a été exceptionnel au pied en première mi-temps, parce que, pour une fois, le Bayern avait en face un club qui les pressait. Donc, il a montré pourquoi il a révolutionné le poste. Hein. Oui, bon. C'est aussi simple que ça. Il faisait des balles piquées, pied droit, pied gauche... Et moi, je voudrais néanmoins ouvrir le débat parce que moi, il y a un truc qui m'a marqué durant le match. Vous souvenez Zidane, quand vous saviez, en gros, ou même Messi, quand il demande le ballon, tu lui donnes le ballon parce que c'est le patron et tu sais que ça va bien revenir. Et bien, quand tu regardes Neuer avec sa défense, des fois, nous, quand on est gardien, on galère pour que les mecs ils viennent faire le circuit avec nous. Là, on a presque l'impression que la défense du Bayern... elle délègue totalement le rythme du jeu et même l'orientation du jeu à Neuer. Ouais. Après, c'était Boateng à la bas en centrale, donc au pire, à part à la bas, Boateng, en ce moment, il est en manque de confiance, donc je pense qu'il préfère s'appuyer sur Neuer. Puis Neuer, t'as le charisme qui va avec, et ils savent aussi que Neuer a un super jeu au pied, donc autant profiter. Ouais. Mais moi, j'ai presque vu, enfin en tout cas, je l'ai senti à la télé, pas une crainte des défenseurs, mais un manque de confiance
de dire de toute façon, on a Neuer et presque je délègue trop. Et on l'a vu notamment, alors c'est évidemment facile de le dire a posteriori, mais la faute qu'ils font à la 92e, où c'est vraiment c'est le bordel complet dans la défense du Bayern sur cette action, on peut se poser des questions sur un peu le leadership de sa défense face au leadership de Neuer. Ouais, après, c'est une erreur globale sur le penalty. Javier Martinez, il n'a jamais à faire ce tacle. Oui. Place, hein, mais... Ça, c'est une erreur débile. Leadership, Neuer, moi, je sais pas, moi, ça va pas marquer ce que tu viens de dire, honnêtement. Parce qu'en gros, Nico, ce que tu dis, c'est que sous-entendu, la défense repose trop sur lui et qu'en fait, son leadership prend le pas sur celui de sa défense. Et oui. Qu'en fait, du coup, quand les mecs sont dans une situation difficile, en fait, ils savent plus trop comment réagir parce qu'ils sont trop remontés, trop vite. Bah, en fait, c'est tout simplement, je me suis posé la question tout seul, c'est de me dire, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où il y a un gardien qui a presque trop de leadership sur sa défense ? C'est-à-dire qu'on a quand même un gardien, c'est-à-dire tu es nouveau joueur, tu joues devant Manuel Neuer, derrière toi, tu as le capitaine... de ton équipe, t'as le capitaine de la Nationalmannschaft, le so-called le meilleur gardien du monde. Et disons que si tu fais pas tes choix, limite t'attends qu'ils te disent quoi faire, quoi. Ouais, je sais pas. Après, par rapport aux joueurs qu'il y a dans sa défense, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment si impressionnés que ça par Neuer au point de plus pouvoir faire leur propre choix? Après, je sais pas, on sait qu'aussi c'est un peu potentiellement la nouvelle philosophie de dire que le gardien est partie prenante du jeu, et donc du coup c'est lui qui lance le jeu et qui fait partie des circuits en fait de relance de jeu et de passe, mais est-ce que c'est trop au point que du coup la défense a plus d'opportunités et de comment dire de libre arbitre sur la relance, quoi. Ouais, voilà, de libre arbitre, de prendre sa chance un peu, de voir quelque chose et de se dire je le fais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Cela dit, c'est à observer, hein. Parce que Neuer, dans son rôle et dans son jeu au pied, on sait quand même que c'est lui qui l'a ultra popularisé, qui est très fort et qui du coup qui joue dans un club depuis longtemps et qui du coup impacte énormément son équipe. Donc, faudrait voir effectivement jusqu'à quel point ça en est. C'est intéressant, cela dit, parce que c'est un peu le futur de ce que pourrait impliquer d'être gardien, quoi. Ouais, c'est un vrai quarterback, quoi. Voilà. Mais bon, je pose ça là. Je pense que ça sera quelque chose à observer. Voilà, je dis pas que j'ai, en tout cas, j'ai raison ou pas, mais voilà, je le pose un petit peu en conclusion. Et ben, en parlant de jeu au pied, du coup, on peut encore une fois changer de pays et passer outre-Manche cette fois-ci, parce qu'il y avait un alléchant Man City, Man United avec Ederson contre De Gea. Robin, tu l'as regardé pour nous. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Ederson ? Ederson, il fait pas un mauvais match, je trouve, parce qu'il maintient quand même sur 2-3 actions City. Après, les buts, un penalty contre-pied, bon, bah ça, c'est plus compliqué à arrêter. Le deuxième but, on pourrait penser qu'il est un peu en retard, mais la position de son défenseur devant lui, je pense, ne l'aide pas. Il sort pas et il laisse le Martial frapper. Et Martial, en fait, il ferme très vite son pied et il trouve le premier poteau. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, sachant qu'il n'a pas la visée sur le départ du ballon. Donc non. Et Robin, juste, moi j'avais une question justement sur ce but-là. Je me suis posé la question, est-ce que sur son placement, il a pas laissé un peu trop son premier poteau ouvert ? C'est vraiment une question. Hein. J'ai un doute, mais je sais pas vraiment. Je pense pas parce que on va dire si son défenseur lui laisse la visibilité, je pense qu'il peut aller la chercher. Parce que on voit qu'en fait il a un temps de retard. C'est le temps de retard qu'il a parce que la longueur il l'a. Hein. Mais moi, c'est le temps de retard qu'il a. Et en fait, il a un défenseur qui doit être à un mètre de Martial, mais qui est pile poil entre Ederson et le ballon. Donc, je pense que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir un défenseur qui sorte et qui vous empêche de voir ce ballon, quoi, ce départ. Et c'est ce qui fait perdre les quelques millièmes de seconde pour arrêter ce ballon, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Si, j'ai vu, je vois ce que tu veux dire, effectivement, le fait d'être masqué, ça lui permet pas effectivement d'être optimum et de pouvoir prendre l'information. Ce qui fait que du coup, il est en retard. Ça se tient, effectivement. Oui, parce que ce que tu pointes, c'est que le défenseur a dû être un mètre plus près du ballon. Ouais, bah en fait, il laisse tout le loisir à Martial de frapper. Oui. En fait, il y a une passivité de ton défenseur et la frappe, en fait, tu vois, elle est vraiment cachée parce que on pourrait se dire le plus simple dans cette position-là, c'est d'aller chercher le deuxième poteau en roulé. Très simple. Et c'est le geste le plus simple pour l'attaquant. Mais dans cette position-là, fermer le ballon au premier poteau et au sol, c'est ce qui est le plus compliqué à aller chercher, quand même. C'est mon avis. Hein. De toute façon, après, le but de Martial est exceptionnel. Je te le dise. Et pareil, la probabilité pour qu'il le mette au milieu d'autant de citizens, même moi j'ai vu que le replay de ce but, j'ai vu que la deuxième mi-temps. Je m'attendais à tout sauf ce but-là de la part de Martial, mais force est de constater qu'il est venu. Ensuite, on a également la performance de De Gea. Moi j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux le fait qu'il aurait peut-être dû sortir sur le corner repris par Otamendi. Alors peut-être pas sortir, mais pas avoir cette prise de décision qui est mauvaise, en fait, parce que il prend la décision de sortir et après il s'arrête parce qu'il voit le ballon trop loin. Donc je pense qu'il doit pas sortir, mais c'est la décision, il la prend et pour moi elle est mauvaise. Il doit pas sortir, il doit rester sur sa ligne. Parce qu'il y a des gens en contact et il est trop loin du ballon. Il est trop loin du ballon pour intervenir. Donc pour moi, c'est une erreur de sortir là-dessus. Et ce que j'ai compris également, c'est que du coup, vu qu'il est sorti, ses défenseurs, ils ont eu peut-être un dixième de seconde de déconcentration en se disant de toute façon, il faut faire de la place pour notre gardien. Et ce qui a aussi peut-être laissé place à Otamendi. Après, est-ce qu'il parle, est-ce que ses défenseurs l'entendent, ça, je peux pas savoir. Mais s'il l'a fait, c'est sûr qu'il y a un moment où ça a joué dans la tête des défenseurs. Mais après, c'était la seule possibilité pour les citizens de marquer ce week-end, parce qu'il y avait vraiment un très bon De Gea et une très bonne défense de United. Il fait notamment un arrêt style un peu manchette sur une frappe de Mahrez avec sa spéciale. Et qui aurait dû faire but 9 fois sur 10, sauf que c'est De Gea qu'on a retrouvé avec ses très bons arrêts, ses très bons réflexes et sa rapidité à aller au sol. Oui. Il nous sort aussi une frappe, alors il me semble qu'elle est main opposée, sur une frappe en dehors de la surface. Et, une claquette. Bon, elle est un peu axe, mais elle est très dure à aller chercher aussi. Non, je suis d'accord, c'est les deux arrêts qui me viennent à l'esprit. Sur la saison de Réa, toi qui suis beaucoup le foot anglais, c'est un match référence où il fait des bons matchs depuis le début de saison? Là, c'est United avait du mal à avoir des gros résultats ces dernières semaines. Ils font Tottenham et City, et sans un grand De Gea sur des matchs importants. Je parle notamment du match de City. Ça aurait pas été la même, mais non, De Gea, et il fait des bons matchs. Il fait des bons matchs. On sait pas le plus. Il est pas à son summum. Mais il reprend confiance parce qu'il y a eu aussi une défense qui joue son rôle. Il n'y a aucune facilité pour les attaquants de City de marquer. Et ça, c'est important. Quand vous laissez tout le loisir à un attaquant de frapper, vous avez beau être le meilleur gardien du monde, vous ne pouvez pas forcément aller la chercher à chaque fois. Et là, on voit vraiment qu'il y a des défenseurs qui mettent beaucoup d'intensité. Il y a un schéma qui a été proposé aussi par Solskjaer pour prendre beaucoup les ailiers ce week-end. Okay. Et, non, mais c'est très, très intéressant à voir défensivement et aussi c'est plus simple pour De Gea parce qu'il est dans des meilleures conditions. Non, je suis d'accord. La défense de United a été très imperméable. Pour Robin, là. Ouais. Comme tu suis souvent De Gea, je voudrais savoir, est-ce que De Gea, il n'est pas meilleur quand son équipe a subi autant et que son bloc est bas?
Parce que je me rappelle, quand il joue avec l'Espagne, par exemple, à chaque fois, il est en difficulté parce qu'il n'y a pas rien. Il n'y a pas beaucoup d'occasions et son équipe est plus haute et voilà. Oui, non, mais tu es tout à fait d'accord. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Il y a cette difficulté pour De Gea à gérer la profondeur et en fait, aussi son jeu au pied. Mais De Gea, sur sa ligne, c'est monstrueux. Mais je ne pense pas que ce soit le type de gardien à pouvoir jouer dans une équipe de Guardiola, mais vraiment dans une équipe qui joue le contre, comme l'a fait United contre City. C'est une équipe qui joue les transitions rapides et n'a pas forcément besoin d'être haut sur le terrain. Ok, très bien pour... Et ce qui est bien pour lui, parce qu'on avait vu à l'époque, quand il était arrivé, sa difficulté à jouer sur le jeu aérien. On ne le voit pas beaucoup sortir, mais il a deux Golgoth devant lui souvent. C'est Lindelof, Maguire. Avant, c'était Ferdinand Vidic. Après, quand il y a eu des complications, on va dire, dans ce secteur de jeu, on a perdu une équipe. Quoi. Mmh. Ok, donc un très bon match de De Gea. Et on ne pouvait pas finir donc, ce débat sur les grands championnats européens. Donc, on laisse de côté l'Italie et l'Espagne pour cette émission. Mais on doit revenir sur le main event d'il y a tout juste une semaine. C'est la remise officielle du premier trophée Yashin de l'histoire, donc, qui récompense un gardien de but. Et donc, c'est le Brésilien Alisson qui a reçu cette récompense. Maël, est-ce que tu penses que c'est mérité ? Bah, on en avait fait un débat à l'occasion d'une émission précédente et on voyait tous Alisson l'emporter. Donc, il n'y a aucun débat, aucun scandale. Et puis, c'est amplement mérité avec la saison qu'il a réalisée l'année dernière. Après, on peut toujours dire qu'intrinsèquement, Ter Stegen, qui finit deuxième, fait des plus beaux arrêts, fait des passes décisives. Il en a encore fait une ce week-end, donc un très bon joueur au pied, très précis. Et fait peut-être plus de beaux arrêts, plus d'arrêts même que Alisson. Mmh. Mais puis on en a parlé la semaine dernière sur le manque de Ter Stegen en match très très important, très clé, où on ne l'a pas encore bien vu. Mais Alisson réalise une saison où il gagne la Copa América en étant titulaire devant Ederson, où il gagne la Ligue des Champions avec Liverpool. Où il réalise une saison en Première Ligue incroyable et il prend quasiment pas de but. Il est nommé meilleur gardien de la Copa América, meilleur gardien de la Ligue des Champions, meilleur gardien de l'UEFA. C'est sans aucune contestation possible le trophée Yashin de l'année. Donc voilà, très très belle saison pour lui. Certains vont dire qu'il prend pas beaucoup de buts parce qu'il a une énorme défense. C'est en partie vrai, c'est toujours ça de toute façon. On n'aura jamais un gardien qui va faire 10 arrêts par match parce que sa défense en prend 20 dans ces trophées là. Mais il a toujours su être là dans les moments importants, dans les moments décisifs, et il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment. Sa récompense aussi, vous pouvez réagir sur ça, sur sa progression également. C'est clair que si on avait dû faire des pronostics en début de saison, on l'aurait sûrement pas mis premier. Non, c'est clair. Ouais, surtout qu'il s'est adapté assez rapidement à la Première Ligue. Et là, j'ai vu récemment, pour s'adapter justement à la Première Ligue, il a beaucoup travaillé avec des exercices de rugby. Donc, si tu veux, à l'entraînement, il faisait avec des sacs de package, des séances spécifiques et des séances des sacs de package. Donc, ouais, trop fort. Ouais, bah, je trouve que c'est vraiment pas idiot pour s'adapter à la densité physique, si tu veux, et au fait que le gardien est beaucoup moins protégé en Angleterre qu'en Italie, par exemple, ou en France. Ouais, je trouve ça intéressant. Puis, pour revenir sur la saison d'Alisson, l'année dernière, il fait 21 clean sheets en Première Ligue. Il en fait 5 durant la Copa América. Il prend juste un but en finale. Et ouais, globalement, de toute façon, c'est un gardien assez moderne, quand même, bon sur sa ligne, un bon jeu au pied. Oui. Il m'a étonné aussi le fait que je ne pensais pas qu'au niveau du jeu aérien, il soit aussi bon. Parce qu'à la Roma, je n'ai pas vraiment vu, si tu veux, quand j'ai vu les matchs de Ligue des Champions, je n'ai pas vraiment vu, si tu veux, de grosses sorties aériennes d'Alisson. Mais... Ah bah non, il était resté sur sa ligne. Ouais, voilà. Tu vois, non, donc, c'est vraiment nouveau. J'ai un souvenir aussi d'un match en Coupe du Monde contre la Serbie.
où il y a trois sorties aériennes qui devaient faire. Et sur aucune des trois, tu le vois serein. Il en capte une, je crois, mais sur aucune des trois, il est serein. Et c'est vraiment ce genre de choses qui me faisait peur, en fait, pour lui, en Première Ligue. Et sans nul doute, il l'a corrigé et il a réussi à s'imposer dans le jeu de la Première Ligue. Non, c'est peut-être le gardien, en plus d'être le meilleur gardien, c'est peut-être le gardien qui est le plus progressé au niveau de la saison passée. Donc, le trophée Lev Yashin totalement mérité. Et puis quand on parle de la saison, une défense, il ne faut jamais oublier que si le gardien n'est pas serein derrière ou si les défenseurs n'ont pas confiance, la défense n'est jamais aussi solide et que un des premiers patrons de la défense, c'est quand même le gardien qui commande ses défenseurs. Donc, oui. Le fait que ses défenseurs soient très, très souvent bien placés, qu'ils fassent les bonnes interventions et tout, et qu'ils s'entendent super bien dans leurs relations sur le terrain, bah forcément, il n'est pas pour rien dans la réussite non plus de Van Dijk, même si Van Dijk a beaucoup de talent. Il a pas eu besoin d'Alisson pour être fort, mais je pense mais que... ça aide. Ça aide beaucoup. Robin, dernière réaction ? Ouais, je suis content que le trophée Lev Yashin arrive à Alisson parce que c'est vraiment une performance sur une saison qui est exceptionnelle. Comparé au Ballon d'Or, hein, je parle. Parce que je trouve que on a vraiment eu l'image d'aller chercher le gardien qui a fait une grande saison. C'est le Ballon d'Or de cette année et la saison, l'année exceptionnelle, quoi. Oui. Comparé au Ballon d'Or où Mané aurait pu l'avoir, Van Dijk, et ça souffre d'aucune contestation sur ce trophée, en fait. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bon, très bien, en tout cas, merci pour ce débat. Donc, il est temps d'aller se rafraîchir et d'entendre les petites infos que vous n'avez pas forcément glanées. C'est l'heure de la buvette. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. Et dans cette buvette, nous commençons par une info qui vient tout juste de tomber. On parlait de Manuel Neuer. Et sachez qu'il est que normalement, sa prolongation avec le Bayern Munich a été...